Faire la queue pour assister à un spectacle, une situation banale devenue rare. Bonjour. Alors, attendez juste que monsieur vous place pour laisser une place d'écart. Avec un mois de retard, l'édition 2020 de La scène au jardin a bien lieu. Masque ou geste barrière, rien n'arrêtera l'offre culturelle. S'il faut espacer le public, on jouera. S'il faut aller jouer dans le jardin, on jouera. Voilà, j'étais sûre qu'après ces 4 mois de rien, les gens auraient une extrême envie de se retrouver. Se retrouver dans un lieu unique, perdu dans un écrin de nature. De quoi faire oublier au public les nouvelles règles du jeu. Il faut accepter ces quelques contraintes, mais au moins on peut aller au spectacle. C'est un vrai bonheur de les revoir à nouveau et d'avoir ce nouveau contact avec eux. Ça fait du bien, surtout dans un décor pareil, avec la nature. Et pour réchauffer les cœurs ce soir-là, quoi de mieux que de parler d'amour ? Volupté de confondre le désir carnassier avec la source immaculée. Aimer et vouloir être aimé, toute déclaration comporte une certaine gloire. Elle implique le respect. C'est 1 heure et quart d'oubli de ce monde violent et de rentrer dans le voyage, de partir en voyage, quoi, avec des canards. Vous avez vu ce poisson rouge qui est extraordinaire, hein, vraiment. Moi, je vais vous dire une chose qui est très importante. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. C'est l'un des lieux dans le monde entier, hein, le plus unique que je connaisse. Une nature luxuriante et des lettres amoureuses qui auront inspiré tout le public, qu'il soit masqué ou plumé. Ah, si je pouvais aller